sur nos médias et c'est une joie. Excusez-nous pour ce petit retard voilà, dû à quelques informations qu'il fallait avoir, quelques démarches qu'il fallait faire pour le bon fonctionnement de l'œuvre du Père. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci pour nos amis qui sont connectés ce soir. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour toutes les belles choses que tu nous donnes à vivre. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment vas-tu? Vous allez bien tout le monde? Ça fait donc le micro, si tu peux te rapprocher. Ça fait plaisir de t'avoir encore avec nous ce soir. Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Tu es passé il y a quelques mois pour témoigner de la guérison divine, de ce que le Seigneur a opéré dans ta vie. Amen. Ah, tout à fait. Amen. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Et puis, je n'ai pas gardé moi-même. Et puis, je suis allé en Allemagne pour prêcher les autres, des sœurs et des frères qui sont en Allemagne. Et c'est, voilà les résultats. Nos sœurs aussi, ils ont venu. Ils sont guéris aussi, comme moi. Ouais. Dieu est en train d'agir à tout moment. Est-ce que ça a choqué les gens, ta guérison? Est-ce que ça a étonné les gens? Ouais, les gens, ils sont contents. Même les gens qui me rencontrent dans la route pour me demander, pour me dire qu'on invite l'émission. L'émission. D'accord. Et puis, il y a des gens que je ne croyais pas qu'ils peuvent regarder des choses. TV de vie. TV de vie. Puisque c'est des gens, moi, j'ai pensé que c'est des païens, mais ils regardent aussi des choses dédiées. Wow. Parce que quand le mec qui marche un peu drôlement, il est venu à côté de moi pour me dire que je t'avais vu sur TV de YouTube. Vie. D'accord. Puis j'ai dit, mais toi tu as regardé ça? Il a dit oui. J'ai regardé, puis j'ai vu, c'était bien. Donc j'ai la joie puisque c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Qui est glorifié. Donc le Seigneur t'a guéri d'un cancer. Le cancer des intestins. Voilà, le Seigneur l'a guéri, frère et soeur, d'un cancer d'intestin. Ouais. Il a témoigné et il est venu au programme de réveil. Dieu l'a guéri. Voilà, c'est la parole qui s'accomplit, frères et sœurs. Et nous sommes sur le mont Carmel où Dieu est en train de confondre les prophètes de Baal qui ne font que parler, crier et ne produisent aucun fruit, et aucune manifestation de la parole qui apporte, mes amis, la foi, la conviction au nom de Yeshua. Paul disait, mes paroles et ma prédication, n'est-ce pas, ne reposent pas sur les discours persuasif des hommes, mais sur la démonstration, sur la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Et ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens, et 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, et le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, un passage que nous allons partager donc ce soir. Et je sais que vous êtes nombreux à vouloir appeler ce soir pour éventuellement donner vos témoignages de guérison. Et nous avons de plus en plus de mails aussi des personnes qui nous appellent pour demander pardon. Parce que c'est... Voilà, donc ces personnes nous ont bien sûr traité de tous les noms. Et aujourd'hui, le Seigneur les a convaincus, n'est-ce pas, du péché. Et voilà, donc que Dieu soit béni. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, ça c'est magnifique. Donc Paul a vécu beaucoup de combats à Corinthe. Paul a été beaucoup, n'est-ce pas, traité de tous les noms. Donc il a été malmené. Et critiquer et ses propres enfants de la foi, n'est-ce pas, le traité de charnel. Et bien Paul va leur écrire cet épître justement pour leur dire que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours, parce que les Grecs aimaient beaucoup parler, ils aimaient beaucoup la sagesse, la sophia, ils aimaient beaucoup la rhétorique, n'est-ce pas, séduire les gens par le discours, et comme les sophistes. Et là, Paul leur dit, bah, écoutez, moi, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur ces discours-là, qui viennent des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Parce que Paul savait en qui il avait cru. Paul prêchait, n'est-ce pas, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, qui sauve. Or, les sophistes, les discoureurs, ceux qui aiment beaucoup parler, sans produire des œuvres, des fruits, et n'avaient aucune puissance pour, n'est-ce pas, démontrer la véracité de leurs propos. Voilà. Donc, et quand on voit de telles guérisons, cancer, une maladie qui fait trembler
des millions de personnes, mes amis, cancer d'intestin. Il avait une le frère avait une poche hein, dans laquelle il faisait ses besoins. Et le Seigneur l'a guéri instantanément, frères et sœurs. Les intercesseurs sont redevenus normaux. Le Seigneur est fidèle. Et à part son témoignage qui se trouve déjà sur YouTube et sur TV de vie, nous allons ce soir écouter le témoignage de notre sœur qui vient d'Allemagne. Hier, on l'a eu au téléphone pour ceux qui ont suivi l'émission. Et elle a pris le bus avec le frère. Et ils sont venus pour donner toute la gloire à Yeshua. Donc, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, on va baisser un tout petit peu ton micro. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs? Ils sont juste là, sur cette caméra-là qui se trouve devant toi. Oui, je m'appelle Sœur Dada. Je viens de l'Allemagne. J'habite en Allemagne. Ça fait au moins plus de 19 ans que je suis en Allemagne. D'accord. Mais vous allez me comprendre un peu. Mon français, c'est pas vraiment du tout correct là parce que je suis presque une Allemande. D'accord. C'est pour cela qu'il fallait me comprendre. Si quelqu'un, un Allemand, vient pour témoigner, il faut seulement, je vous en prie au nom de Yeshua, d'écouter ces mal et témoignages. J'ai pu, il ne fait pas vraiment beaucoup la religion pour les des fautes d'orthographe comme ça. Il n'y a ça. Pas de problème. C'est pour cela que je voulais vraiment rendre gloire à le mot me manque. De tout ce que le Dieu de tout puissant, le Dieu tout-puissant qui a fait dans ma vie, mm-hmm. moi, ça fait au moins plus de 10 ans que j'étais séropositif. Il y a des preuves là. Donc là, ça là, la carte, ça, là, c'est ça la montre carte en allemand. Voilà, on va pouvoir nous aider. VH. Et l'équipe technique, si Philippe peut nous aider pour zoomer de ce côté-ci et voilà donc merci en tout cas. Cette carte, voilà, c'est un Allemand et donc qui attestait que notre sœur était bel et bien séropositive. Voilà, parfait. Et donc il y avait cette carte qui prouvait que tu étais séropositive, qui prouve, mm-hmm. qui prouve que tu étais aussi séropositive. Mm-hmm. Et il y a aussi. Ça aussi on a écrit même en allemand, mais même en allemand. Je vois rien du tout. Ok, a, donc ici, on va montrer également. Ici cette, on a écrit aussi qu'il y a l'infection. Donc la caméra allemand va d'abord zoomer et ensuite ouais. Tu vas nous montrer ça. Voilà, où c'est écrit l'infection là. Mm-hmm. Voilà, c'est un Allemand, bien sûr. C'est une sœur qui nous vient d'Allemagne. Et voilà, où est-ce que c'est écrit infection? Tu peux juste, avec ton doigt, nous montrer un peu. Je vois rien du tout. Il faut descendre un peu. Descends encore. Et, ici. Infection. Infectionalige. On a écrit ça en allemand. En allemand. Ah oui, c'est vrai, ouais. On voit ça. Mmh. Donc, Laurent, on va essayer de zoomer encore. Infection, là. Et puis, ici, là, c'est la polyclinique, là où je prenais les médicaments, les soins. D'accord. Il y a Cologne, une grande hôpital. Là, sur l'encart, là. Là, on voit l'infection, ici. Voilà. Infection. Voilà, en allemand. Et tout ça, c'est les données. À chaque année que on testait le nombre de virus et tout ça. Ok, merci l'équipe technique, on veille, merci. Donc voilà, donc là il y a cette carte là et ce document là, c'est le document celui-ci également, c'est pareil, c'est mais infectiologie, mm-hmm. hein, infectiologie, mm-hmm. voilà, donc en allemand, mm-hmm. et donc ça c'est des documents qui attestent que tu avais mm-hmm. le VIH, mm-hmm. le SIDA, mm-hmm. et donc depuis combien d'années? Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, mm-hmm. tu as souffert. Le médicament. Les médicaments, donne-nous ces médicaments-là, mes amis. Oh, Jésus de Nazareth. Je suis venu avec toutes les preuves. Tu es venu avec toutes les preuves. Mm, tout donc, ça, médicaments, hein, Laurent, voilà, on va montrer. Ça, là, j'ai arrêté dès qu'avant d'arriver ici. À Tripla. À Tripla, oui. Ça, tu as arrêté avant de venir ici. J'avais demandé à Dieu si je viens ici avant une semaine.
parce que je voulais aller suivre TV de vie au Stuttgart. À Stuttgart, oui. Parce qu'on avait un programme de réveil là-bas. Il y avait un programme de réveil, mais il y avait des problèmes pour les Il y avait une grève de train. Il y a une grève de train. J'étais vraiment émue. Je pleurais. Je dis, Seigneur, moi, je voulais vraiment te suivre. Alors, j'ai décidé. J'ai dit, bon, comme il y avait la grève chez nous en Allemagne, j'ai demandé à Dieu, je ne veux plus prendre les médicaments. C'était avant une semaine. Et cet médicament que vous voyez là, je peux voir. À tripla, là, et mon docteur, avec je vous dis au nom de Yeshua, cet médicament-là, tu ne peux pas laisser une journée sans prendre comme on m'avait prescrit là. Donc il faut que je prenne ça chaque jour durant toute ma vie. Alors moi j'avais dit à Dieu de avant de venir ici à Évry, j'avais dit à Dieu, je vais te mettre à l'épreuve. Je ne veux plus prendre ce médicament. Tout ça, c'est neuf, mais je prenais ça avant une semaine. Moi, j'ai arrêté de prendre ça. Mais j'ai dit, s'il s'agit que je meurs, je vais mourir parce que j'ai tout fait. J'ai prié, mais tu ne m'entends pas. Alors, je vais maintenant mettre à la fin. Je vais plus prendre les médicaments. Je vais voir ta main dans ma vie. Alors, je vais... Comment on appelle ça? On dit que ça, c'est quoi? Un V? Tu as fait un vœu? Je vais faire un vœu. Et puis, comme j'ai dit à Dieu, je fais une semaine avant de venir ici à l'Évry, j'ai appelé une sœur que je la connaissais, qui vient d'arriver ici en France. Elle m'a dit, pas de problème, mais c'est loin. L'Évry, c'est loin. Elle m'a dit, non, moi, j'ai ma foi, je vais venir. J'ai la foi que Dieu va me guérir. La façon que... Je suis le YouTube là, non, je ne peux pas rester maintenant, je vais vraiment voir Dieu à l'œil. Après, j'étais venu le 30, j'ai dormi chez la soeur. Le 30 octobre. Octobre. Ok. Octobre, 2014. 2014 ici. J'ai dormi chez la soeur, on était quittés là-bas parce que moi j'étais vraiment soif de venir, parce que j'avais fait vraiment un vœu à Dieu que moi c'est pas frère Chora qui va me guérir, ce n'est pas un autre frère, mais moi, la personne que toi tu vas utiliser, Dieu, moi je veux un signe. Mon signe, c'est de ma foi, c'était de rentrer dans la salle. C'était le vœu que j'avais fait à Dieu. Alors, comme j'avais arrêté à prendre les médicaments, comme Dieu là, il est Dieu qui donne les oreilles pour entendre, qui m'a donné les yeux pour voir et puis à la vie ma foi, dès que je suis allé à la salle, je vous dis, mes frères, mes soeurs qui me suivent là, il y avait l'adoration. Je n'ai même pas vu Fréchora parce que je ne connaissais pas Fréchora. Je le voyais seulement à la télé. Alors, comme j'étais vraiment concentré là, En restant, j'ai vu la gloire de Dieu. Pendant l'adoration seulement. Pendant l'adoration, personne ne t'a touché. Personne ne t'a touché. Même le frère qui est devant moi, je l'ai raconté sur la toilette. Okay. Et le frère qui prêchait là, j'ai suivi son enseignement quand je suis rentré en Allemagne. Donc, j'avais vu seulement Dieu à l'œil nu dans la salle. Waouh, pendant l'adoration. Et pendant l'adoration, quand le frère... Ne dis pas le nom. Moi, j'ai le nom à la tête. Le frère Mbouyou. Mais notre, c'est Sylvain. Sylvain Mbouyou. Parce que j'ai vu ça à la télé. C'est lui qui a prêché ce jour-là. C'est lui qui l'a prêché. Mais j'avais vraiment la puissance. La puissance de Dieu sur moi. Et quand j'étais concentré là, j'ai vu, je vais dire quoi? C'est pas du soleil. C'est une gloire là. Tu as vu une lueur, une lumière. Là, c'était comme un soleil. Comme un soleil descendu dans ma... Sur toi comme ça. Sur moi comme ça là. Waouh. Et pendant l'adoration. Pendant l'adoration même. Et j'ai commencé à... Comment dire? À trembler. À trembler là. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai oublié même le vœu que j'avais dit à Dieu. Tu n'as jamais vu ça? Je n'ai jamais vu ça. Waouh. Je vous dis au nom de Yeshua. Je n'ai jamais vu ça. Après... Il y avait une sœur qui m'avait amené ici, que je venais avec. Après, moi, je dis, mais je ne comprends pas. Moi, je commence, je vois, qu'est-ce qui m'arrive là? Après, la sœur m'a dit, mais franchement, je ne suis même pas là. Toi, tu as quitté l'Allemagne, là, tu es venu ici. Après, tu dis, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Moi, je dis,
il faut m'arrêter. Il faut arrêter avec la sœur avec qui tu es venue. Ah ouais. Moi, il faut arrêter d'abord. Moi, je ne suis pas venue, ce n'est pas pour Frère Chora. Moi, je suis venue, j'ai fait un vœu avec Dieu. Mm-hmm. J'ai des problèmes avec mon Dieu. Mm-hmm. J'avais dit à Dieu que dès que moi, je vais mettre mes pieds ici, mm-hmm. je veux qu'il me touche. Mm-hmm. Et la puissance là, que la façon que moi, je vois là, non, 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 c'était... Je n'ai jamais vu ça. Wow. Et j'ai commencé à trembler. Après, j'avais envie de faire le petit besoin. Uh-huh. Je suis quittée. Là où j'étais à la salle, je suis venue. Et j'ai trouvé une salle. La caisse était vraiment beaucoup de gens. Et j'ai demandé d'autres soeurs s'ils peuvent me laisser. Parce que je viens de l'Allemagne. Mm-hmm. J'ai souffert. Il y a une soeur qui m'a dit, tu viens de l'Allemagne. Mais il y avait toi. Il y a un frère là, mais tu n'as pas vu Fraîcheur. Moi, dedans de moi, mais pourquoi il me dit Fraîcheur? Moi, je ne suis pas venu même pour Fraîcheur. Moi, je suis venu pour Dieu là. Après, le frère à côté, elle m'a dit, oh, sœur, il y a un problème. Ça, moi, c'est le frère Julien qui était là. Ouais. Ok. Ouais, moi, là, le nom, ça vient. Le frère là, il m'a dit, il y a un problème. Il m'a dit, non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, dit non, la sœur voulait que je te parle, mais parce que je viens de l'Allemagne. Elle dit, de toute façon, aujourd'hui, Frère Chora ne reçoit pas. Mais comment tu as trouvé l'ambiance? L'atmosphère, l'atmosphère, tout ça. Oh, c'est impeccable. C'était vraiment génial. Wow. Ah, c'était content de ça. Moi, je dis, vraiment, les mots me manquent vraiment. Je ne savais même pas comment je vais dire à frère. Julien. Tout va bien. Elle m'a dit, bon, quand tu vas rentrer, comme je dis, je rentre demain. Elle a dit, dès que tu rentres, tu salis tout le spray de serre de l'Allemagne. Moi, je dis, ok, je suis retournée à la salle. Quand je suis retournée à la salle, ma cousine, elle m'a fait comme ça pour me dire que j'ai trouvé maintenant, il y avait la délivrance. Mm-hmm. Elle m'a dit, on priait pour les gens. On priait pour les gens. Et moi, j'ai dit à la sœur qui était à côté de moi, Lily, moi, quelqu'un me met les mains, je ne connais même pas les... On dit, ah, toi, tu restes, moi, je pars. Uh-huh. Je suis parti là, j'ai trouvé un frère là qui m'avait appelé un peu clair. Si il était là, le frère Simon, c'est Simon. Je ne connais pas. Voilà, c'est Simon. Elle m'a dit, ma sœur, c'est quoi ton problème? Mm-hmm. Elle m'a dit, moi, je suis condamnée par la médecine. Elle a dit, en quoi? Il faut me dire de quoi tu souffres. Moi, je dis des sida. Elle a dit des sida. Tu es mariée? Moi, je dis oui, je suis mariée. Elle a dit bon, tu crois qu'il y a du Seigneur Jésus qui peut te guérir? Moi, je dis bien sûr, je crois. Elle a dit ferme les yeux. Elle a commencé à prier. Là, comme j'avais la foi, mm-hmm. moi, je voyais, j'étais déjà guérie. Amen. Alors, quand Dieu t'a visité, quand il y avait le visité, feu. Quand m'a visité, c'est là que son frère faisait, c'était des accomplissements parce que ma foi était vraiment tellement grande. Moi, je disais seulement, ah, moi, je vais rentrer avec mon tonne là de bénédiction, de guérison. Là. Wow. Quand je suis arrivé, comme mon examen là, il faut regarder bien. On va montrer vous ça. Vous voyez même la date. Merci. C'était le 17. C'est l'envers. Ah bon? Ah, mm-hmm. comme ça. Ouais. Ok, nickel. On va zoomer avant de montrer parce que là, c'est notre preuve comme quoi tu avais le sida. Je viens. Tu arrives, hein? Ça, j'arrive. Alléluia. Allez, montre-nous, là, merci. C'est bon, là, tu peux nous montrer. Ma soeur, tu peux y aller. Ça, c'est la récepte. Quand je suis arrivée chez mon médecin traitant là, d'accord. Ça là, qui me traite là. D'accord. Elle a pris parce que j'ai un gros dossier là. D'accord. Elle me voit là, elle a dit, oh là là, je te reconnais plus. Hein. Mm-hmm. Parce qu'on a mon médecin, on a la même date de l'anniversaire. Ça, on fait des blagues. Okay. Elle dit, mais dada, mais tu as tout changé. Avant même d'ouvrir mon dossier là. Mm-hmm. Tu as tout changé. Tes ongles là, c'est joli. Tu es vraiment nickel. Tu as bonne mine, tout ça. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Moi, elle dit, ah. Mais je sais pas. Là, c'est quand tu es rentré. Quand en Allemagne. Je suis rentré pour la... Après la prière, quoi. Après la prière. La prière, j'étais le premier. D'accord. Écoutez-moi bien. Mm-hmm. La prière, j'étais le premier. Mm-hmm. Moi, j'avais le rendez-vous le 17. Le 17 novembre. Novembre. Parce que le premier, moi, j'étais là. Ok. Bon, le 17 novembre, moi, j'avais le rendez-vous avec mon médecin. Ok. Quand mon frère, l'homme de Dieu, écoute-moi bien, mm-hmm. quand elle a commencé à ouvrir le dossier, là... Ton dossier, ouais. Arrivant dans cette date-là, mm-hmm. elle commence à faire quoi? Hein? Attends quoi? Attends quoi? Je vois pas. Séro négative. Elle dit quoi? Mais attends quoi? Attends. Dada, s'il te plaît, attends d'abord.
Elle a encore refaire encore. Parce que mon dossier là, c'était. Mais non, tu sais quoi? Toi là, il faut m'attendre là. Uh-huh. Elle est partie chez le, un autre. C'est une femme médecin. C'est une femme. C'est une femme. Okay. Mais elle parle bien français. Okay. Mon médecin là. Mm-hmm. Elle est partie encore. Moi, je vois, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, reste d'abord calme. Tu étais allé voir un médecin. Elle m'a dit. Hein? Moi? Un autre médecin. Je n'ai pas compris la question. Hein. D'accord. Comprenez mon émotion. Merci, si. C'est lui qui est mon médecin traitant. Uh-huh. Mais elle me demande encore. Comme elle me dit qu'elle ne trouve pas la maladie, elle dit, est-ce que toi tu étais parti voir un médecin? Elle m'a dit, moi, quel médecin? Uh-huh. Je dis, Clara, mais de quoi tu me dis là? Elle a dit, mais je ne comprends pas. Après, en dedans de moi, on m'a dit, mais dis-le que tu es un enfant de Dieu. Uh-huh. Parce que je parlais souvent à mon médecin le problème de Dieu, de Jésus-Christ. D'accord. Après, quand elle m'a encore dit, mais dis-moi, Dada, tu n'es pas allé voir un médecin, ton médecin de la maison? Elle m'a dit, non. Moi, je t'ai toujours dit que moi, je prie. Moi, je suis l'enfant de Jésus-Christ. Mm-hmm. Elle a dit, oui, toi, avec ton histoire, là. Mais le problème, il faut que je te dise la vérité, que je ne comprends plus rien. Mm-hmm. Parce qu'avec toi, là, c'est autre chose. Mais de toutes les façons, moi, je ne veux pas avoir de problème. Je te fais cette ordonnance. Mm-hmm. Continue d'abord à prendre les médicaments. On te prélève encore le sang. Mm-hmm. Moi, elle dit, de toutes les façons, je prends seulement pour prendre, même les médicaments là-même, je prends plus. Mm-hmm. Parce que je sais à qui j'écris. Mm-hmm. Elle a dit, mais s'il te plaît, Dada, fais-moi confiance. Continue, parce que ce médicament-là, mon frère, avant même que je vienne ici le premier, mm-hmm. j'ai arrêté les médicaments. Mm-hmm. Et il y avait des petits boutons, moi je dis, diable, moi, même le petit bouton que tu fais sortir là, mm-hmm. moi je serai à l'évry. Amen. Et moi je dis à mon Dieu, il va me guérir là-bas. Toutes les manigances que tu fais là, je ne suis même pas là. Mm-hmm. Moi, c'est la foi. Ou la mort, ou la vie. Mm-hmm. Je me suis décidé comme ça. Après, elle m'a fait l'ordonnance. Et moi, je dis, de toutes les façons, il y a même celle-là, je n'ai même pas ouvert ça aussi. Donc ça, c'est deux autres boîtes que tu n'as même pas utilisé. C'est tout neuf. Hein. Je ne veux même pas rentrer avec ça. Après, voilà. Ça là, quand elle m'a donné ça, moi, dit de toutes les façons, les mots des médecins, là, il faut que j'aille encore chez mon médecin à la maison. Et les professeurs, il faut voir là. Uh-huh. C'est le professeur là qui a... Là. Ça là, c'est le professeur. Donc là, tu as fait un autre examen. Elle m'a fait d'abord un autre examen là. Mm-hmm. Elle est restée avec ça. D'accord. Moi, le Seigneur m'a convié encore d'aller encore une autre, mon médecin de la maison. Là, c'est le médecin traitant maintenant. Ouais. Là, tu es parti faire un autre examen. Un autre examen. Waouh. Alors, les deux sont sortis. Séro-négative. Vous croyez avec les dieux de l'impossible. Mais terrible ça. Ça, c'est terrible, mes amis. On acclame le Seigneur. Alléluia. Laurent, que les frères et sœurs qui sont tout excités chez eux voient, alléluia, n'est-ce pas? Et les deux, oh Jésus de Nazareth, les deux résultats qui confirment, hein, dans deux laboratoires différents, qui confirment la guérison divine du sida, du VIH de notre sœur. Là, c'est un examen qui confirme sa guérison. Là, c'est un deuxième examen qui confirme sa guérison, frères et sœurs. Oh, Jésus de Nazareth. Le sida est parti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Elle a presque terminé cette boîte. Mes amis, cette boîte. Oh, Jésus de Nazareth. Cette boîte, il reste juste, mes amis, là, je vois 5 comprimés. Et on lui avait fait acheter 2 autres boîtes qu'elle n'a pas encore ouvertes. Hein? Donc, voilà, c'est des boîtes qui ne sont pas encore ouvertes. Et elle ne les a pas encore utilisées. Et voilà, mes amis, qu'elle est venue au programme de réveil sur le Mont Carmel. N'est-ce pas? Oh, alléluia. Exposé son problème à Yeshua. Elle a exposé son problème déjà chez elle. Et elle a dit, si je vais, même si les frères Shora ou Yann ou je ne sais pas qui ne sont pas là, mais Jésus est là. Et elle a mis sa confiance en Jésus. Elle n'est pas idolâtre, frères et sœurs. Et pendant l'adoration, la gloire tombe sur elle. Et c'est là que le Seigneur l'a guérie, n'est-ce pas?
Et c'est magnifique, ma soeur. Magnifique. Je suis pas encore terminé. Mm-hmm. On est là, on va parler. J'avais dit à mon Dieu, mm-hmm. tellement que j'étais humilié. Comprenez-moi, mon frère. Humilié. J'étais humilié. Waouh. J'étais en Allemagne, j'avais deux magasins. Deux magasins. D'accord. Il est là. On m'a traité de tout le nom à cause de cette maladie. Waouh. Je vous dis, vous, mes frères qui sont malades, mm-hmm. j'ai un conseil à vous donner. Mm-hmm. Ne suis pas les gens. Mm-hmm. Quand j'étais malade, il n'y avait pas personne à côté de moi. Mm-hmm. Cet médicament que vous voyez là, mm-hmm. les gens qui prennent ça, ils savent. Une fois, j'ai dit même à mon mari, tellement la douleur est intense. Quand tu prends cette petite médicament-là, c'est un poison, mon frère. Wow. Julien. Tu ne peux pas avaler même. Wow. Ton corps-là, je ne sais même pas comment expliquer. Quand je prends ça, je deviens quand comme... Quand tu prenais ça. Quand je prenais ça, comme, je ne sais même pas expliquer. Il n'y a même pas un mot. Oh, Seigneur. Et j'ai dit à mon mari, toi là, parce que tu ne souffres pas de sida, toi tu as déjà vécu avec ta femme à la maison plus de 10 ans. C'est énorme. La femme porte la sida et mon mari n'a pas de sida. Est-ce que tu peux comprendre ça? Toi, Julien, les gens souffrent. Les gens qui sont condamnés, ils souffrent. Mais parfois, les gens autour de ils se manquent. Mais la maladie, si quelqu'un souffre, si on te dit qu'elle est condamnée de l'hépatite, elle est condamnée du sida, elle est condamnée du cancer, prenez soin de cette personne. Mm-hmm. Il souffre sérieusement. Mm-hmm. Même à vos prières. Et moi, je suis là, je suis un témoin vivant de Jésus-Christ. Je l'avais dit, Seigneur, si tu m'es guéri dans mon Carmel, je vais t'honorer. Je vais venir ici pour témoigner. Mon programme, c'était le 19. Mm-hmm. Je devais venir le 19 pour témoigner. Tu vas revenir. Et puis, le problème qui s'est passé, moi, là, comment on appelle ça? Le résultat, là, j'ai ça hier. Tu l'as eu hier seulement. Tu veux regarder la date? Ah ben, je veux regarder, effectivement, ouais. Et fait l'examen le 2. Le 4 décembre 2014. Patient, ouais. Bossala, mmh. Dada. Mmh. Mmh. Et là, ouais, Bossala, mon médecin traitant, c'est un professeur. Elle sort là, mais choquée. Mais, choquée, elle n'a pas de mots. Oh, Jésus de Madame, Nazareth. Il n'y a rien. Wow. Vous voyez, regardez même. Mmh. Tu vois, même, là, on voit. Tu ne vois pas même tu ne parles pas l'allemand. Si, mais bah, tu vois la différence de mais ça, là ben, c'est clair. Et là, il y a tellement de choses ici, là. Mmh. Hein, mes amis, là, c'est impressionnant. Le médecin professeur a commencé à... Il a gratté sa tête. Il a dit, mais dis-moi d'abord, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce geste? Moi, dit, mais à moi de te demander, mais il n'y a rien. Moi, dit, mais moi aussi, je ne comprends rien. Moi, dit, en allemand, drucken-moi ça. Drucken, donc, fais-moi sortir ça, parce que je veux que le frère, les frères et sœurs... Imprime-moi ça, que les frères et sœurs voient. J'ai dit ça en allemand, et quel problème. Il est parti. Elle a fait ça, lui-même. Elle a fait sortir ça. Elle a dit, madame, je n'arrive pas. Parce que ça, c'est mon médecin de la maison, mais il savait que moi, j'ai souffert de sida. Wow. Quand elle m'a fait l'examen mardi, et le jeudi, je devais venir prendre mm-hmm. les médicaments, prendre les résultats. Ce qui s'est passé, j'ai demandé même, devant la situation, j'ai demandé même à mon mari, parce que c'était entre la vie et la mort. Wow. Mais moi, je savais mon Dieu à qui j'écris. Mm-hmm. J'ai dit à mon mari, chat, c'est chéri en allemand. Mm-hmm. Chat, si tu peux m'accompagner, elle a dit, ah, parce que ce n'est pas qu'elle ne voulait pas voir comment... Tu allais réagir si le résultat était positif. Si le résultat, ce n'était pas vraiment ce que j'entendais. Et mon mari m'a dit, non, de toutes les façons, va seulement, toi tu parles bien l'allemand, va seulement toi-même, non? Moi, je comprenais. Après, on m'a dit, ah, tu vois, les mercredis, là, tu avais un problème au tribunal. Tu avais demandé que je prie pour toi, non? Mm-hmm. Et que mon Dieu fasse quelque chose. Oh, j'étais soutenu même jusqu'au tribunal, là, il n'y avait plus rien. Ah, oh, mais je crois ton Dieu, il faut aller seulement. Je comprenais mon mari qu'il ne voulait pas voir la situation. Et dès que je suis, mon médecin a craché là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'ai appelé, j'ai pris le téléphone. Moi, j'ai demandé à mon médecin, tu dis quoi? Dis encore fort. Mm-hmm. Il a dit en allemand, mais il n'y a rien chez toi, il n'y a rien, tout est très bien.
là. J'ai appelé mon mari. Mon mari a commencé à dire, tu dis quoi, Dada? Est-ce que tu dis la vérité? Mais j'ai des résultats devant moi. Elle a dit, mais est-ce que tu peux venir là, moi? Mais je n'ai même pas la voiture, j'attends le bus. Après, l'Esprit de Dieu m'a conduit chez mon beau-frère. Ton beau-frère, qui a été guéri d'un cancer, un cancer de testin. C'est lui qui m'a montré même votre TV de Villa. Wow. Ouais. Quand j'ai téléphoné ma petite soeur, sa femme, moi je dis, je ne vais pas te parler, je vais parler seulement à ton mari. Quand elle a dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Elle m'a dit, je vais d'abord parler à ton mari. Elle m'a passé son mari. Moi, je dis, l'homme de Dieu, tu sais quoi? Le Dieu m'a confirmé encore. Parce que le premier examen, c'était comme ça. Voilà. Mais la deuxième, elle a dit, tu es où? Moi, je ne vais pas tarder. Le problème qui est là, j'appelle à Paris. Moi, je dis, mais vas-y, est-ce qu'il y a un problème? Mm-hmm. Elle a appelé. Je ne sais pas si ce frère quoi. Mike, ouais, tout ça va tout à fait. Mais vous là, vous ne savez pas ce qui était en moi. Wow. Moi, j'allais témoigner parce que j'avais fait un vœu à Dieu. Mm-hmm. Quand frère Mike voulait commencer, il m'a dit, mais frère, moi je ne vais même pas le samedi, moi je vais demain, aujourd'hui même. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, oui, tu viens? Moi, je viens. Après, il faut voir, depuis 3 heures, j'étais debout. 3h du matin. 3h du matin. Aujourd'hui. Je n'ai même pas dormi. Wow. Je n'ai même pas dormi. Il fallait que je fasse le travail de 6h à 9h30. Uh-huh. Moi, je dis, si je dors là, je vais rouper. Donc, le convoyeur là, quand il va venir, moi, mon témoignage là, je veux même pas de problème avec Dieu. Comme j'avais promis à Dieu de me guérir, je vais témoigner. Moi, je ne dors pas. J'ai dit à mon mari, tu me réveilles à 30 minutes là, je vais juste se fermer les yeux. Quand c'était 10h, je suis allé à la douche, vite. Moi-même, je l'appelais. Frère Richman, mais le monsieur devait venir à 11h, non? Qu'est-ce que tu attends encore? Non, moi, je suis déjà debout. Waouh. Comme vous me voyez là, Dieu, elle a fait son affaire. Et moi, je suis venu pour glorifier, pas le nom de Frère Chora. Mm-hmm. C'est aujourd'hui même que je vis chez Frère Chora. Mm-hmm. C'est aujourd'hui même, mais vous, j'étais déjà vu. C'était des fois. Et le frère, je le vis. Frère Chora, c'est la première fois. Mm-hmm. Je voulais vraiment, seulement pour vous demander, le frère et soeur, c'est pas Frère Chora qui guérit, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui m'a guéri. Amen. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité de Frère Chora, mais je suis venu pour faire la publicité de celui qui m'a guéri. Amen. Je suis comme, moi, je ne suis pas doué avec les versets, mais je suis bombé avec les rouleaux là. Mm-hmm. Moi, je suis comme cet aveugle là. Mes frères, toi, tu connais les versets. Oh ouais. L'aveugle est là, qu'on l'a demandé. Mais tu étais aveugle, comment tu t'es... Comment tu vois maintenant? Comment ça se fait que tu vois maintenant? Moi, j'ai dit, moi, je connais seulement une chose, que j'étais citoyen avec les VIH. D'accord. Mais maintenant, Yeshua, Messia, qui m'a guéri. Alléluia. Ma soeur, excusez-moi. Moi, je sais. Est-ce que je peux te demander quelque chose devant la télé? Il n'y a pas de souci. Mais tu es un homme de Dieu, non? Amen. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Je vais juste te dire quelque chose. Moi, le verset là, c'est Frère Julien qui va m'aider. Je dis devant Dieu. Ok. Mais quand on disait les... Parce que ça y est à moi. Est-ce que tu me permets de te dire? Il n'y a pas de souci. Tu me disais toujours dans la Bible, ta Bible est là, le Dieu de Moïse. Le Dieu... Moi, je suis tout. Hein. Je dis devant Dieu. Amen. Le Dieu de Frère Julien, je peux citer. Mais si je dis le Dieu de Frère Chora, où est le problème? En fait, je comprends tout à fait la question. On veut tellement... Le Dieu de Chora, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais c'est mon Dieu. Amen. Donc, du coup, comme nous voulons seulement que son nom soit le seul et pas d'autres noms à côté, c'est pour cela que nous voulons dire simplement le nom de Jésus-Christ. Okay, c'est dans ce sens-là. Je suis maintenant content. Amen. C'est de ça que je voulais ajouter quelque chose. D'accord. Puisque ça me tourmente. Puisque maintenant, surtout au Congo, tous les pasteurs, avant, c'était le dieu de Sikatenda. Maman. De maman. Sikatenda, c'était un prophète qui est mort. Sikatenda. Ouais. Après, le dieu de maman Olang. Après, le dieu de Wabalesa, si c'est Walesa. Walesa, ouais. Maintenant, quand j'ai regardé l'autre fois, j'ai commencé à écouter, c'était Mukuna. Il a commencé à dire aussi le dieu de Mukuna. Mais ce sont les pasteurs congolais qui, malheureusement... Maintenant, Alimeti, il y a dieu de celui-là. Et
à Kitambo, Dieu de Sénégal. Ce sont des villes, des communes, de Kinshasa. Maintenant, il y a plusieurs dieux. C'est mais ça non, ce n'est pas le vrai. Le vrai, puisque il y a les faux pasteurs maintenant, mm-hmm. avec leurs dieux. Mm-hmm. Ils ont touché au talisman, au gris-gris, tout ça là. Toi, quand tu vas prier que Dieu de Mangobo, par exemple, Ndombolo. Ou le dieu de Jacques. Ou de Jacques. Mm-hmm. Tu ne sais pas quel dieu Jacques prie. Mm-hmm. Si Jacques, il est franc-maçon. Mm-hmm. En passant. Ou bien Rosicroix. Est-ce que je veux commencer? Je veux ajouter quelque chose. Bien sûr. Mais juste avant, frères et sœurs, c'est vrai que nous dénonçons fortement, mm-hmm. avec beaucoup de véhémence, beaucoup de force, le fait, par exemple, d'appeler, de dire le Dieu de Jacques, mm-hmm. le Dieu de, je parle de Jacques, des pasteurs d'aujourd'hui, mm-hmm. le Dieu du prophète Sikatenda, mm-hmm. le Dieu de Béni In, tout ça. Là. Ce sont des hommes, frères et sœurs, mm-hmm. et malheureusement, beaucoup de ces hommes ne servent pas Dieu véritablement. Tout à fait. Et la Bible nous parle seulement du Dieu d'Abraham, mm-hmm. d'Isaac et de Jacob. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que c'est des patriarches. Mm-hmm. C'est eux qui ont reçu la révélation concernant la foi, hein, le Dieu qui, n'est-ce pas, nous inspire la foi, mm-hmm. qui nous amène au salut, qui nous révèle la foi qui nous amène au salut. Donc, appeler le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est mm-hmm. biblique. Mm-hmm. Mais quand on commence à mettre des noms des hommes, hein, des noms d'hommes, mm-hmm. tels que le Dieu de Julien, le Dieu de Jacques Intel, le Dieu de Chora, en fait, on efface sans se rendre compte le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, mm-hmm. qui est le nom de Jésus-Christ. Mm-hmm. Donc, au lieu de rester seulement sur le nom de Jésus-Christ, mm-hmm. parce qu'Yeshua a dit, vous chasserez les démons en mon nom, mm-hmm. vous parlerez de nouvelles langues en mon nom, mm-hmm. vous imposerez les mêmes malades et ils seront guéris en mon nom. Mm-hmm. Nous voulons vraiment, comme acte 4 le dit, 12, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné mm-hmm. parmi les hommes, par mm-hmm. grâce auquel nous devions être sauvés. Mm-hmm. Et seulement le nom de Jésus-Christ. Mm-hmm. Et voilà pourquoi, quand il y a de telles guérisons, de tels miracles, nous voulons vraiment que les frères et sœurs se focalisent sur Jésus-Christ de Nazareth mm-hmm. et lui seul, mm-hmm. et que tous les hommes que nous sommes, nous soyons, mes amis, en arrière-plan, mm-hmm. hein, donc, et que Christ seul soit élevé, mm-hmm. parce que lui seul mm-hmm. peut guérir mm-hmm. de sida, mm-hmm. de cancer. Mmh. Lui seul, d'ailleurs, comme tu l'as témoigné toi-même, mmh. Ce jour-là, ce samedi-là, mmh. j'étais ici, dans les locaux de TV de vie, et je n'ai pas voulu être vu là-bas. Mmh. J'étais caché. Mmh. J'étais là, en train de parler, de prier, de méditer. Et Dieu, qui est tout-puissant, qui est esprit, a toujours, n'est-ce pas, mes amis, glorifié son nom. Mmh. Et il était là, mmh. n'est-ce pas, oui. Et la preuve, pendant mmh. que les frères l'adoraient, pendant que les frères et sœurs l'adoraient, mmh. Tu as vu cette lumière comme le soleil qui est venu sur toi. C'était mmh. énorme. Voilà. Eh bien, c'est Jésus-Christ. Donc, imagine-toi maintenant si tu rajoutes à côté le nom d'un homme. Mmh. En fait, tu casses le mmh. témoignage de Yeshua, mmh. alors que nous voulons vraiment, n'est-ce pas, frères et sœurs, mmh. élever encore le nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Donc que son nom soit vraiment glorifié. Le jour où je vous entendrai dire le Dieu de Chora, croyez-moi, je vous dénoncerai. Mm. Oh oui, je tiens à ce que mon Dieu seul soit élevé, car nous ne sommes que de la poussière. Mm. Vous savez, avant de te donner la parole, quand on entend de tels témoignages, guérison de sida avec preuve à l'appui, les médecins sont choqués. Plusieurs médecins sont choqués. Tu as fait deux examens dans deux endroits différents. La guérison est confirmée. Le frère a fait des examens. Son cancer d'intestin était guéri, qui est parti définitivement. Sachant oui. que ces deux maladies sont parmi les maladies actuellement qui font des ravages mm-hmm. dans le monde. Et frères et sœurs, sachant que nous menons un combat pour la défense de la vérité, de la saine doctrine, mm-hmm. et que de plus en plus des charlatans, des impudiques, des voleurs, des masturbateurs, mm-hmm. mes amis, des caresseurs de femmes, nous traitent de tous les noms en nous accusant faussement, mm-hmm. eh bien, la seule, n'est-ce pas, je dirais, notre réconfort, notre force, n'est-ce pas, mm-hmm. Nous sommes encouragés, je dirais, par de tels témoignages. Mm-hmm. Parce que les frères et sœurs qui sont ici et là, qui peuvent se poser des questions, grâce au songe vision que Dieu leur donne et au message véritable que Dieu nous donne à apporter, les frères et sœurs sont rassurés. Et surtout aussi, quand ils entendent, quand ils voient de telles preuves à l'appui, des guérisons authentiques, 10 ans de malade, de sida, plus de 10 ans de sida, mm-hmm. guéris instantanément, mm-hmm. n'est-ce pas, sans un franc. Sans
payer sans jeûner. Sans jeûner. Hein, parce que Yeshua a dit tout est accompli. Alléluia. Quand on entend de tels témoignages, frères et sœurs, alors nous disons simplement à tous ces pasteurs du monde entier qui disent que ben, Dieu n'est pas Dieu, que notre Dieu est le diable, eux qui ont le véritable Dieu, qu'ils nous prouvent aussi, avec des preuves médicales à l'appui, que les gens qui sont avec eux sont guéris. Voilà. C'est ça le problème, c'est que comme cet homme disait, comme tu l'as si bien dit dans Jean 9, cet homme qui était né aveugle, les pharisiens lui ont dit, donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Ce monsieur dit, je ne sais pas si c'est un pécheur. Ce que je sais, c'est que j'étais né aveugle. Maintenant, je vois. Hein? Mais vous aussi, vous qui dites être dans la vérité, eh bien, produisez des miracles. Voilà, produisez des miracles. Il y a des choses que les magiciens ne peuvent pas produire. Les magiciens de Moïse, frères et sœurs, arrivés au quatrième miracle, alléluia, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Je voulais ajouter quelque chose. Alléluia. Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus. Mais en prison, il a envoyé ses disciples, il va demander si c'est vraiment Jésus qu'on attendait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Va dire à Jean-Baptiste, les malades sont guéris. La parole est prêchée. Donc les deux choses. Ici, la parole est prêchée. Amen. C'est pour cela qu'on dort avec TV de vie. Moi aussi, je dors avec ça. Jour et nuit. 24 heures sur 24 heures. Wow. Puisque la parole est vraie. Tu as ton iPad? Mon iPad, là, quand je vois, je n'ai pas de précision. Je vois tout ce qui vient dans ma tête. Wow. S'il s'agit que le Seigneur me dit jusqu'à 4h10 matin, jusqu'à 4h10 matin. Wow. Et je continue. Hein. Quand je me somnais là, je ouvre mon iPad, je vais voir seulement des enseignements. Je fais comment? Wow. Je fais comme ça, dans mon oreille. Wow. Et je dors jusqu'au matin. Wow. Et si mon mari est là, ce que je fais, dans ma cuisine, je mets ça comme ça, dans mon poche là, je fais mes vaisselles et parfois, mais toi avec ton truc là, on me dit, ah, il faut laisser. Tout le monde, là, ma mariée me dit, mais ton prophète Chora là, il t'a fait quoi? Elle me dit, est-ce qu'il m'a fait, est-ce que moi je le vois même? Est-ce que moi je le connais même? Hein? Moi je connais, c'est moi que les enseignements là, c'est plus fort que moi. Frère Julien, je vous dis devant Dieu, les enseignements là, je ne fais pas la publicité de frère Julien, de frère Choua, les enseignements là, et moi j'ai mon petit cahier là, trop, attends. Elle a acheté un cahier pour noter. Moi, je suis avec mon cahier. Elle se forme comme ça là. Ça y est là. Waouh. Je suis comme les scribes. Hein. Les scribes, ouais. Quand l'homme de Dieu prêchait là, moi je vérifie. Comme les juifs de Béret, dans Actes 17. Tu vérifies dans les Écritures. Je vérifie là. Alors, le problème qui m'a fait comme ça, les dîmes là. La dîme, l'enseignement sur la dîme comme étant la loi de Moïse qu'il ne faut pas le payer. J'ai donné pour que je sois béni, frère Julien, j'ai souffert. Waouh. On t'a dit qu'il fallait donner la dîme pour être béni. Il est là. J'ai donné, frère. Elle donnait. C'est ce que je te dis, j'ai donné, frère. C'était au combat spirituel là-bas. Là. Oui, là-bas, c'est une secte là-bas. C'est la sœur, puisque j'aime pas appeler maman, papa. C'est la sœur. Madame Olangui. C'était vraiment... Tes doigts soient loués. Et là, tu vois, tu as fait beaucoup de jeûnes là-bas. Il n'y a pas eu de guérison. Et là... Est-ce que si j'ai fait même combien de pas? Il y a des jeûnes même à Sulmoué. Waouh. J'ai une Sulmoué, 7 jours à ça. Un samedi, et je n'ai même pas vu frère Chora. On t'a même pas imposé les mains. J'ai vu c'est ma frère Julien dans la couloir. Et m'a dit, c'est ma sœur. Comment t'as trouvé? Moi, je dis, oh, en allemand, c'est Pico Bello. Jésus. Et elle ne savait même pas quelle joie. Quand elle me demandait, même la sœur qui dit, va chez frère Julien, elle ne sait même pas qu'est-ce qui chauffe là. Moi, j'étais déjà guéri. Et je suis encore, dérange encore frère Julien, pourquoi? Waouh. Dieu là, j'ai vu en laine. Waouh. Mon âme était sauvée. Alléluia. Ça, c'est plus de 10 ans du VIH, sida, mes amis, et elle a dit ciao à la trithérapie. Ce traitement lourd qui, mes amis, détruisait son corps. Et elle s'est dit, son beau-frère
qui est aussi évangéliste, hein, mm-hmm. et guéri par le Seigneur d'un cancer d'intestin, du cancer d'intestin. Et il rentre en Allemagne pour témoigner. Et sa belle-sœur, qui elle aussi a été condamnée par la médecine à cause de son VIH, le sida, depuis plus de 10 ans, elle s'est dit, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, je ne veux pas à Évry pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer Dieu. Amen. Je ne veux pas au programme de réveil pour rencontrer un homme, pour rencontrer Dieu. Et elle a mis sa foi en action, frères et sœurs, comme la parole le dit. Comme cette femme qui souffrait depuis des années, hein, qui perdait son sang depuis 12 ans, elle s'est dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guérie. Je n'ai pas besoin d'être vue. Il est là même, le jour là que j'ai décidé même de venir là. Tout le monde me trouvait comme une folle. Wow. Et toi, tu vas pas dire, mais vous croyez quoi? Au tout cas, là, je n'ai même pas vu. Et j'étais furieux. Mais tu n'avais pas, tu n'étais pas, comment dire, tu n'avais pas peur de toutes ces critiques contre nous. L'homme de Dieu, vous ne me connaissez pas. Si quelqu'un est malade, c'est lui-même qui porte les douleurs là. Okay. Ce n'est pas d'autres personnes. Moi, je ne voyais même pas ma petite soeur là. Wow. Et ma fouille même avant de témoigner. Wow. C'était comment? Moi, je l'appelle là. On dit, je suis en France. Dit, mais comment toi, tu y es? Moi aussi, je cherche d'aller là-bas. Toi, tu m'as tu commences à me dire. Elle dit, mais tu vois là. C'était, je vais faire vers Dieu. Elle me dit, vas-y, de façon, moi, je vais m'arranger. Je ne vais même pas venir avec toi. J'ai appelé notre sœur qui m'a découragé même. Mais Fréchaud, elle n'est pas là. Toi, tu as fait ton tir. Elle me dit, moi, je suis venu, je même pas Fréchaud. Moi, je suis venu pour Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. C'est beau, frère et sœur. Vous vous rendez compte? Ça y est, c'est... mon frère Julien, je m'aperçois de plus en plus que la Bible, hein, la parole de Dieu est digne de confiance. Amen. Oh non, Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Parce que je me rends compte que plus il y a des attaques, plus il y a les épreuves, plus Dieu guérit. Plus il y a des foules de gens qui viennent de partout. Des gens qui viennent de partout, qui ne voient même plus les épreuves que nous traversons, mais qui voient seulement la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, oh, que Dieu soit magnifié. Je vous assure, je suis excité encore. Je crois que le mont Carmel va encore, la montagne va encore, mes amis, s'agrandir. Oui, hein, et parce que, honnêtement, Sida a pris ses jambes à son cou. Sida s'est sauvé. Moi, je ne rentre pas avec ça. Tu ne rentres pas avec ça. Oh, mais on garde ça. Mais par contre, les preuves médicales, on va faire des copies. Toi, tu pourras rentrer pour témoigner là-bas. Okay. On va faire des photocopies pour, parce qu'on va sortir un livre sur toutes les guérisons qu'on a vécues depuis 2 ans et demi ici à Évry. Parce que maintenant, on va tourner. On tourne déjà avec ce feu du réveil, avec la parole véritable. On va tourner dans toutes les nations, frères et sœurs, pour amener ce feu du réveil avec toutes ces guérisons que Dieu opère, ces délivrances que Dieu opère, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, et nous disons, si ce message n'est pas de Dieu, qu'il n'y ait plus de guérison. Mais comme il est de Dieu, frères et sœurs, et que les gens qui se lèvent contre ce message produisent aussi des guérisons de Sidéens. Voilà, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la convocation sur le mont Carmel avec des guérisons divines, avec des baptêmes, des conversions, frères et sœurs, de repentance. Des gens qui viennent et qui disent, ça fait 14 ans que j'ai utilisé des faux papiers, Dieu, j'en veux plus. Et nous, on n'était pas là. Oui, des choses que Dieu opère, frères et sœurs. Dieu lui-même saisit son peuple. Chrétien. Alléluia. Méditez Jean 9. Alléluia. Méditez Jean 9. Le péché ne peut pas produire de telles guérisons, de tels miracles. Amen. Non. Vous voyez, l'atmosphère est tellement sanctifiée. Elle est déjà, c'est une atmosphère de guérison, de confession, de délivrance, de miracle, frères et sœurs. C'est, quand Yeshua est quelque part, l'atmosphère est tellement électrique qu'il n'y a pas besoin qu'on impose les mains aux gens. Appelle que les gens s'approchent de Jésus, qu'ils sont naturellement délivrés, guéris, restaurés. Frère, je vous dis, il faut montrer au monde que cette date-là, j'étais déjà ici en Évry. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Ok, bah on va remontrer encore. Alléluia. C'est pas que la personne va dire j'étais dans son prière ou dans son... Non. Okay. Moi, je vais glorifier le monde. Alléluia. On va zoomer encore, Laurent. On va montrer la date. Tu peux m'aider? La date, c'est bon. Tu vois la Julien, date, tu tiens ça, s'il te plaît. J'étais nulle part. J'étais ici le premier. Approche là-bas, s'il te plaît. Et le 17, je suis allé faire les examens. Viens droite. Alléluia. Il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, là, j'étais parti le jeudi. Ouais. Il n'y avait encore plus rien. La date en haut, voilà. On va montrer la date. Et la date en haut. Et voilà. Donc, la date, c'est le 4. Vous voyez, le 4, 12.
2014. Patient Bozala Dada. Mm-hmm. Hein, donc le 4-12-2014, patient, donc ça c'est en partant du haut, c'est la deuxième ligne. Mm-hmm. Voilà, donc et c'est la date, donc c'était hier, hein. C'est hier que tu as eu ce deuxième résultat, ça, c'est la première qui résultat. A testé ta guérison. Et ça, c'est le premier résultat qu'on va montrer aussi aux frères et sœurs. Donc, il y a eu deux tests de fait pour valider la guérison divine de notre sœur par Yeshua, le maître de maîtres. Frères et sœurs, quand Yeshua appelle les gens, il les accompagne. Amen. Il accompagne sa parole, frères et sœurs. Le retour à la parole, c'est le retour à des guérisons spectaculaires, comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il est dit que Dieu opérait des signes et des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mais c'est normal, quand Dieu appelle, il accompagne, frères et sœurs. C'est normal, c'est pas de l'orgueil. C'est la parole qui le dit. C'est la parole. Paul dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis pour vous. Car les signes de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Par des signes, par des guérisons, par des miracles. Frères et sœurs, la parole s'accomplit. Yeshua accomplit sa parole. Et nous voulons chanter un cantique à la gloire de Yeshua. Est-ce que je peux chanter à mon langue naturelle? Tu peux, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Oh, gloire à Dieu. Kola la te Yoshua la mukae, kola la te na libota nangai la mukae, kola la te Yoshua la mukae, kola la te Yoshua la mukae, inyaketwa Seigneur inyaketwa. Il n'y a que toi de compassion, il n'y a que toi, il n'y a que Yoshua, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, tu as vu ma foi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Oh, Bobeleyo, Bobeleyo. Je te donne.
Alléluia. Sois béni, papa. Sois glorifié, Adonai. Ta fidélité, Adonai. Alléluia. Oh Père, y'a que toi, Seigneur. Y'a que toi, Jésus. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur nous. L'onction divine comble mon âme. Pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, je tombe de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la force, la louange, la sagesse. Toi et pour toi, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a pas de sens. La terre a été créée. À toi et pour toi, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a pas de sens. Jésus, oh. Amen, 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 amen. Jésus, oh. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique,
notre Père. Magnifique. Alléluia. Gloire à Yeshua. Seigneur, l'incomparable Dieu est tellement Jésus. Bon, frères et sœurs. Béni soit ton nom, Seigneur, pour toutes ces guérisons divines, ces miracles. Yeshua. Oh, alléluia. Magnifique. 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 Père, merci. Merci pour, Seigneur, cette... cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de vivre ces choses. Papa, merci. Tout est possible avec Yeshua. Gloire à Yeshua. Alléluia. Gloire à Yeshua. Magnifique. Magnifique. Magnifique est ton nom. Alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Wow. Gloire à Dieu. C'est magnifique, frères et sœurs. C'est beau. C'est beau ce que Dieu fait. Il n'y a pas de mots pour qualifier, pour définir, pour exprimer notre joie, frères et sœurs. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Alors je pense qu'il y a des gens qui voulaient témoigner de la guérison divine, mais il faudrait que vous ayez des preuves médicales parce que nous ne voulons plus, mes amis, que les gens parlent de la guérison comme ça, sans preuves médicales. Sans, il faut vraiment que vos médecins attestent que vous avez été guéri par le Seigneur, et c'est que comme ça que notre Dieu peut véritablement être glorifié, parce qu'il faut que le monde sache que l'heure, mes amis, limite est le commencement de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Là où l'homme s'arrête, là où l'homme, là où sa force, mes amis, s'arrête, et là où commence la force du Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Et donc, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez pour éventuellement donner aussi quelques témoignages. Voilà, donc c'est beau, c'est beau, c'est... Il n'y a pas de mots. On est stupéfait, n'est-ce pas? On est complètement ébahi. On est dans l'admiration de notre Dieu. Voilà. Dieu travaille. Dieu travaille. Le sida fait trembler tellement des pays, des nations, mes amis. J'entendais toujours parler de la trithérapie, mais là, mes amis, j'ai touché ce médicament. Et c'est glorieux. Hein, c'est glorieux. Voilà, donc Dieu soit béni. Et demain, c'est la dernière réunion de réveil à Évry, mais ce n'est pas la dernière réunion de réveil, selon la vision que Dieu nous a donnée. Au contraire, c'est le début de la mission. Voilà, donc Évry s'arrête, les nations s'ouvrent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, avec le Vito, la régie mobile, mes amis, le Vito, c'est la camionnette que Dieu nous a fait acheter et pour la transformer en régie mobile afin de tourner partout et d'aller diffuser l'évangile véritable partout où vous êtes. Donc, nous viendrons jusqu'à vous hein, pour partager la parole, croyez-moi, au nom de Yeshua. Il y aura des missionnaires qui vont partir ici et là, hein, de plus en plus, et pour partager l'évangile. Vous êtes nombreux à nous envoyer des mails pour demander à ce qu'il y ait des missionnaires pour aller chez vous, pour venir chez vous, enseigner, partager, prier, pour prier ensemble avec vous. Et croyez-moi, frères et sœurs, c'est le début d'une belle aventure avec Yeshua, d'une longue histoire avec Yeshua. Mes amis, je vois ces colombes qui partent partout. Donc, Évry n'est pas la fin d'une histoire. Au contraire, c'est une page qui se tourne pour, n'est-ce pas, expérimenter encore d'autres pages, d'autres histoires, d'autres aventures avec Yeshua. Et ce dimanche, nous sommes aux Pays-Bas, en Hollande, à Amsterdam. Les informations sont sur le site de TV de Vie. Et mes amis, focalisons-nous sur ce que Dieu fait. Plus de distractions, mes amis, pas de distractions. On se focalise sur l'œuvre du Seigneur. Les chiens aboient, la caravane passe. Faisons l'œuvre du Père, frères et sœurs. Il y a le programme du 19. Et nous avons eu l'imprimeur qui nous imprime les 10 000 exemplaires de la Bible de Yeshua. Et on l'a eu tout à l'heure, David l'a eu. Et on aura les 10 000 exemplaires, mes amis, avant le 14. Donc, d'ici jeudi prochain, on aura les 10 000 exemplaires. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait une émission spéciale, soit jeudi prochain, soit jeudi ou vendredi prochain, pour vous présenter enfin la Bible de Jésus-Christ finalisée, frères et sœurs. Oh, quelle belle aventure!
Quelle belle aventure. Beaucoup, mes amis, seront encouragés. Beaucoup seront fortifiés. Et des langues de vipères seront bien fermées, bien muselées avec la parole de Dieu au nom de Yeshua. Et la vérité sera proclamée. N'en déplaise aux hommes, n'en déplaise à ces hommes et ces femmes qui contrôlent le peuple de Dieu au nom de Yeshua. En tout cas, je vois des prisons qui vont s'ouvrir. 2015, c'est l'année de la bataille. Alléluia. L'année de la traversée, mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Du Jourdain. L'année de la traversée de la mer morte. Mes amis, on va sortir encore de Babylone, mes amis, là, au nom de Yeshua. Je vois déjà des colombes qui partent en Afrique, partout, dans les îles. Mes amis, ça va être magnifique. Magnifique. Ça va être glorieux. Donc je suis déjà excité et Dieu nous prépare, mes amis. Je crois qu'il y a de nouveaux vêtements, hein, de nouveaux manteaux qui arrivent, mes amis, pour les guerriers, et de nouvelles armures, mes amis, qui arrivent avec des chevaux. Et je crois que les gens qui ont l'esprit d'Élie, l'esprit de vérité, seront bien vêtus pour aller défendre la sainte doctrine. Et nous bénissons, mes amis, ceux qui nous maudissent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent et nous n'allons pas nous taire. Nous allons annoncer le retour de Yeshua au nom de Yeshua. Merci encore pour vos prières. Merci encore pour vos encouragements. Merci encore pour votre mobilisation, hein, vos soutiens. Vous êtes nombreux, mes amis, à nous envoyer des mails, à nous encourager, à prier pour nous. Vous êtes nombreux également à nous envoyer des mails pour nous demander pardon parce que vous nous avez traités de tous les noms et Dieu vous ouvre les yeux aujourd'hui. Que Dieu soit béni, mes amis. Ensemble, avançons vers les noces de l'agneau au nom de Yeshua. Donc, à demain, mes amis. Je ne sais pas à quelle heure ça va commencer demain parce qu'il y en a qui vont arriver vers 5h, 6h du matin. C'est devenu quelque chose de terrible, mes amis. Alors, je ne sais même pas où on va mettre tout ce monde demain. Mais Dieu seul va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Et je crois que ceux qui sont venus depuis le début du programme de réveil à Évry vont devoir laisser leur place au nouveau. Donc, voilà, que Dieu soit béni, mes amis. Demain, TV de Vie va commencer à émettre dès 8h du matin, Laurent. En direct, donc, dès 8h du matin, on va émettre pour que le monde entier voit l'œuvre que Dieu fait. On va mettre des caméras partout demain, hein, au 26, au 24, dans les locaux, dans les bureaux. Il y aura, faut préparer les longs, mes amis, fils pour filmer tout ce qui va se passer, hein, et que les frères et sœurs soient au courant de tout ce que Dieu fait. Au nom de Yeshua, oh, que Dieu soit béni. Ne combattez pas contre Dieu, mes amis, que Dieu soit béni, que Dieu vous garde. À demain, au revoir.